Le budget a été validé à 23 voix pour 2 contre 0 abstentions. 5 854 519 871 francs CFA. Ainsi se présente le budget primitif exercice 2024 de la commune de Lokossa. Le document de planification qui renseigne à propos a été adopté ce lundi 30 octobre 2023 au détour des travaux de la 4e session ordinaire du Conseil communal de Lokossa par 23 voix pour, 2 contre et 0 abstention. C'est tout ce que nous avons prévu presque de l'année pour l'année dernière qui est revenu et qui a été complété par les frais de réalisation. Dans ce budget où nous aurons une mobilisation de fonds propres autour de 500 millions, et si nous nous référons à la tournée statutaire de la dernière fois, nous devons savoir que nos conseillers de la commune de Lokossa, nous avons, comme le dirait l'autre, du pain sur la planche. Ce budget équilibré en recettes et en dépenses connaît une augmentation de 74,45% comparativement au collectif budgétaire de l'année 2023 qui oscillait autour de 2,2 milliards. Une performance à mettre à l'actif du gouvernement grâce au projet BRIC dont a bénéficié la ville de Lokossa à hauteur de 22 milliards de francs. Oui, il y a prouesse puisque qu'on parte de 2 milliards à 5 milliards, on dira vraiment l'écart est trop grand. Mais cet écart-là, c'est en fait l'accompagnement du gouvernement à travers le projet BRIC, qui est l'assainissement pluvial que nous devons avoir, qui a déjà commencé dans les études préliminaires, les études de faisabilité ont commencé cette année et qui doit s'intensifier l'année prochaine. En termes de réalisation. Dès que les études sont terminées, nous allons passer à la phase de réalisation. Vu les différents axes contenus dans le budget, l'année 2024 s'annonce fertile en réalisation dans presque tous les domaines de la vie pour le mieux-être des fils et filles de la cité des Konou. Il y a l'arrondissement du Wedemadia qui bénéficie d'un centre de santé d'arrondissement que nous allons équiper à hauteur environ de 4,5 millions. Donc de l'autre côté des autres arrondissements, nous allons construire des infrastructures scolaires. Il y a l'ouverture des voies et reprofilage, nous sommes d'accord, et l'assainissement de la ville. Tout ça là, c'est des éléments qui sont intégrés dans le budget, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, que ce soit l'environnement, que ce soit l'assainissement. Même le volet social a été pris en compte dans ce budget. Le vote de ce budget est aussi l'aboutissement heureux d'un long processus qui a connu l'implication active de la GIZ, l'un des partenaires privilégiés de la mairie de Lokossa. Ils nous ont accompagnés dans le débat d'orientation budgétaire, dans l'élaboration du plan annuel d'investissement, ils nous ont accompagnés également. Et là, pour le conseil communal, la GIZ nous accompagne. C'est pour vous dire que la GIZ nous a accompagnés du début jusqu'à la fin du processus dans l'élaboration de ce document. Une fois encore, nous ne pouvons que les remercier. Nous leur demandons de toujours se tenir prêts à nos côtés. Et ce qui nous revient comme tâche, nous allons l'accomplir afin qu'eux-mêmes ils continuent de mieux nous appuyer. La session a également passé au pays fin plusieurs autres points issus des différents rapports des différentes commissions.